J'ai retenu que du moins, c'est une question surtout de souveraineté. Parce qu'il faut savoir que les questions, les points qu'on a abordés ici, ça ne se discute pas à la légère. On ne peut pas écarter en fait tout ce qui va être politique et culturel. Ce qui est juste dommage, mais en même temps qui est très édifiant, c'est que ce soit la jeunesse qui puisse prendre à bras le corps ces sujets. Normalement, ce genre de sujet-là, ça devrait être des sujets qui se traitent d'état à un état. Après, tant mieux pour nous, hein, qu'on puisse pouvoir en débattre, ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de connaissances, ça nous permet de se confronter un petit peu. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, énormément de choses qui se sont dites. Moi, je retiens ici que ce qui m'a fait plaisir ici, c'est de voir des femmes. De voir des femmes qui sont engagées dans la lutte. Et je pense que ça, chez nous, on dit que c'est quand même la femme qui transmet, c'est la femme qui éduque. Donc si déjà la femme elle-même, elle commence à être consciente, elle commence à se conscientiser, ça veut dire que les générations qui vont venir, les enfants qu'elle va faire, les enfants qu'elle éduquera, auront déjà un niveau de conscience plus élevé que nous autres qui avons bataillé pour en arriver là. Ah, vous savez, on l'a dit, je ne vous étais pas encore arrivé, mais à un moment donné, ce n'est pas que les États ne font pas assez, donc on ne peut pas répondre oui, non. Ce n'est pas des réponses aussi faciles que ça. Par contre, je pense que l'État pourrait faire plus. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, entre autres, on retrouve le musée sur des Brazzas. Je pense quand même que moi, en tant que Congolaise de Brazzaville, surtout quand j'ai grandi ici, qu'on me fait comprendre que je ne suis pas dans mon pays ici, quand je repars chez moi, j'aimerais repartir avec des amis français et leur dire « regardez mon musée ». Donc c'est juste à un moment donné du patriotisme, du nationalisme, on peut l'appeler comme on veut et surtout on peut en fait l'appeler, c'est juste une question d'identité, une question de fierté. Donc je pense que les États font ce qu'ils peuvent faire, mais ils pourraient faire plus. Et on m'a parlé du musée de Pointe-Noire là qui récemment... Je pense que ils sont déjà en chemin et c'est à nous aussi la jeunesse de venir peut-être leur dire que ben, c'est des sujets qui nous préoccupent. Vous voyez, je pense qu'on doit aussi les guider. J'étais déçue de ne pas avoir beaucoup de monde. J'étais déçue parce qu'on annonçait à 10h30, le Congolais ne vient pas parce qu'on annonce à 10h30. Par contre, je suis sûre que si c'était une fiesta qu'on avait dit « venez, venez, l'alcool est gratuit », il y aurait eu du monde. Je suis désolée de réduire ça à ça, mais à un moment donné, on ne peut pas aussi se plaindre pour certaines choses et ne pas venir répondre présent. Surtout dans l'esprit, juste rien que de solidarité. Vanessa est très jeune, le fait qu'elle mette en place ce genre d'action, je pense qu'on devrait déjà tous se bouger pour venir la soutenir. Quand elle a mis en place cette action, elle m'a contactée. C'est moi qui ai fait en sorte qu'elle puisse rencontrer le président de la Ligue panafricaine, Oumoudia, parce que j'ai valorisé son travail. Donc, je trouve que les personnes qui n'ont pas été là, ils ont été... qu'on appelle ça ? Ben, c'est dommage pour eux. Comme on dit, les absents ont toujours tort.